Salut à tous, c'est Yann Jacob. Alors bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne s'est pas retrouvé pour un petit retour sûr. Pourtant, il y a quand même quelques livres que j'ai lus récemment et certains m'ont quand même beaucoup plu. Donc bon, c'est pas l'envie qui m'en manquait. Mais entre les vidéos festivals, l'écriture du tome 4, qui prend quand même pas mal de temps, et ma recherche de boulot à côté, ça a été un petit peu juste. Mais aujourd'hui, je compte bien me rattraper et vous présenter Nous Sommes Bob de Dennis E. Taylor. Donc pour celui-ci, nous allons partir un petit peu dans le futur, et surtout dans l'espace. Si je vous disais que, moyennant finance, forcément, vous auriez la possibilité de vous faire congeler à votre mort, jusqu'à ce qu'il existe une technologie suffisamment avancée pour vous ramener. Qu'est-ce que vous feriez? Alors, blague à part, ça existe vraiment. Moi, honnêtement, ça m'attire pas trop. Eh bien, c'est ce que va décider Bob juste après avoir vendu son entreprise pour un bon petit pactole et juste avant de se faire écraser par une voiture à Las Vegas. Pas de chance, hein? Mais un siècle plus tard, voilà qu'il rouvre les yeux. Alors, dire que le réveil est difficile est un doux euphémisme, puisque quand il rouvre les yeux, il n'a plus ni bras, ni jambes, ni rien du tout. En fait, son corps se limite à une caméra, et je ne me rappelle même plus si elle bouge. À partir de là, un scientifique va lui expliquer que le monde a quand même bien changé, que les frontières se sont déplacées, et que la politique ne s'est pas forcément améliorée. Toujours est-il que, à ce moment-là, les pays sont en pleine conquête de l'espace. Et je ne parle pas de marcher sur la Lune ou de placer une base sur Mars. Je parle vraiment là de l'univers. Et dans tout ça, Bob se retrouve en compétition avec d'anciens humains réduits à l'état d'intelligence artificielle pour prendre possession du seul vaisseau à disposition. Seulement, si la découverte de l'univers intéresse beaucoup Bob, les idéaux de son pays, beaucoup moins. Et en plus, avant de pouvoir voyager comme ça, il va devoir surmonter quelques épreuves. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Forcément, déjà, si j'ai tout lu et que je vous le présente, c'est que j'ai bien aimé. Mais alors, pourquoi? Eh bien, pour pas mal de choses. D'abord parce que j'aime bien voir comment les gens imaginent notre futur, et dans cette histoire, le chamboulement est à la fois total et inexistant. Bon, ça se passe aux États-Unis et la politique a quand même bien changé, puisque la religion a pris le pas cette fois-ci sur tout le reste. On va revenir sur ce détail un peu plus tard, puisque ça a quand même une certaine dimension dans l'histoire. Certains pays se sont unifiés sous un même drapeau, d'autres ont émergé, et d'autres encore se sont mis en avant. Sauf que les enjeux demeurent et les conflits persistent, au point que, cette fois-ci, une guerre nucléaire a éclaté, et une grande partie de la civilisation humaine a disparu. Ce qui explique quand même les enjeux de cette conquête spatiale, puisque le premier arrivé sera le premier servi, et pourra asseoir sa domination sur le reste. Ce côté-là m'a quand même bien accroché, parce qu'on se retrouve, comme Bob, plongé au milieu de tout ça, sans avoir vraiment tout le cheminement. Ensuite, il y a quand même Bob, parce que passer d'un corps humain à une caméra équipée d'un bras robot, c'est quand même un sacré choc. Mais bizarrement, Bob, lui, il le vit pas si mal, puisqu'au final, il se retrouve avec une capacité de réflexion, ou là plus précisément de calcul, nettement supérieure à la normale. Et s'il passe tous les tests, on lui propose un job de rêve. Parce que quand même, conquérir l'espace, c'est pas à la portée de tout le monde. D'un autre côté, et cette partie aussi est super intéressante, peut-il encore se considérer comme un humain s'il est la réplique du lui-même originel? Oui, il y a quand même un petit côté philosophique, mais c'est vraiment dans le fond, hein. Et c'est justement là que ça coince avec son nouveau gouvernement. Mais Bob, lui, c'est pas trop son problème. Il continue d'apprendre à contrôler d'autres robots pour créer des routines de construction en attendant le grand départ, et il enquête et se délivre petit à petit des lignes de code supposées le contraindre. J'ai vraiment aimé toute cette partie apprentissage, découverte et développement de ses capacités, avec à la clé l'espoir du décollage, ce qui finit quand même par arriver. C'est quand même le but de l'histoire. La deuxième partie qui arrive finalement assez vite, et qui va prendre tout le reste de l'histoire, c'est la conquête de l'espace. C'est peut-être la partie que je vais le moins développer, puisque c'est le cœur même de Nous Sommes Bob, et que je ne veux pas gâcher tout le plaisir. Mais franchement, l'auteur n'y a pas été de main morte, et il y a pas mal de choses à suivre. Parce que Bob, là, il va dans l'espace, c'est bien beau tout ça. Mais d'une, il a un concurrent, et de deux, l'espace, c'est quand même vachement vaste. Donc, gérer ça tout seul, c'est pas évident. Il va donc devoir se répliquer et multiplier les bobs, d'où le titre. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que qui dit nouveau bob, dit nouvelles possibilités. Et donc, pendant que certains vont parcourir l'univers pour le cartographier, d'autres vont chercher des matériaux ou étudier de nouvelles civilisations. Et pourquoi pas en créer une? Ah oui, mais c'est vrai qu'il faut aussi chercher des planètes colonisables pour héberger les dernières sociétés humaines à avoir survécu à la guerre nucléaire. Si la diversité des missions que va se donner Bob ou les Bob est déjà super intéressante, il y a aussi celle de leur personnalité, puisque même s'ils viennent tous du même point d'origine et donc du même Bob qui s'est fait écraser à Las Vegas, ils vont chacun développer leur propre personnalité. Par exemple, certains vont préférer travailler en équipe, d'autres au contraire vont préférer prendre la distance avec tout le monde, certains seront peut-être plus accueillants, d'autres plus incisifs, et certains vont par exemple préférer garder une certaine distance avec les humains. Par contre, ils ont quand même un gros point en commun, c'est qu'ils sont assez fans de la pop culture, que ce soit entre les noms qu'ils se choisissent, les blagues qu'ils se font entre eux, ou des interfaces virtuelles qu'ils se créent. Il y a bien sûr aussi des histoires d'amour, des amitiés qui se créent, ou des animosités qui apparaissent. Parce que, dans ce vaste univers, bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont Dennis E. Taylor a traité les différentes histoires, parce que qui dit beaucoup de personnages, dit aussi beaucoup d'événements, et donc beaucoup de chapitres. Et les chapitres sont souvent assez courts, basés principalement sur des dialogues ou sur des pensées, donc ça fait qu'on avance quand même pas mal dans l'histoire, et on reste quand même bien dans l'action. Il y a forcément aussi quelques descriptions, et bon, l'auteur en profite un peu pour parfois nous laisser mariner et laisser un personnage de côté, pour pouvoir avancer avec les autres. Moi je dis ça, mais parce que c'est pas du tout mon genre de faire ça dans mes romans, rien à voir. Au final, j'ai beaucoup aimé ce livre en raison des nombreuses histoires qui nous laissent entrevoir un petit peu tous les soucis et tous les paramètres qu'il faut prendre en compte, que ce soit basé sur un seul personnage ou un petit groupe de personnages, ou sur une civilisation entière, il y a quand même à chaque fois beaucoup de paramètres à prendre en compte et beaucoup de répercussions. Dans ce livre, vu qu'on traverse l'univers, on rêve beaucoup. Donc quelque part, ça laisse beaucoup de place à l'imagination, que ce soit au niveau des animaux qu'on peut trouver sur les autres planètes, des végétaux, mais quelque part, il y a un moment, il faut aussi se confronter au vraisemblable, donc à la réalité, puisque derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de calculs, et donc il faut prendre en compte les différentes vitesses, le temps relatif, et donc parfois ça crée vraiment des situations où il y a un personnage qui peut attendre pendant 20 ans dans un coin, alors que l'autre à côté, pour lui, ça fait que 5 ans et il faut lui laisser le temps de s'installer. Et ça, vraiment, ce décalage, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien traité dans cette histoire. Ensuite, il y a aussi la diversité des bobs, qui est quand même une idée que je trouve géniale, parce que à chaque fois, on va découvrir un nouveau personnage qui a donc ses propres envies, ses propres rêves, son propre caractère qui parfois ne va pas du tout avec celui des autres, alors que à l'origine, ils viennent tous du même personnage. Et ça, franchement, c'est un truc super cool. Et ça, quelque part, ça amène aussi à beaucoup de questions philosophiques, comme je vous le disais, sur qu'est-ce que c'est être un humain, qu'est-ce que c'est être vivant. Voilà, je ne veux pas vous affoler, je ne veux pas vous inquiéter, parce que quelque part, c'est vraiment une question de fond dans le livre, mais qui, quelque part, a son importance. Donc, on ne va pas se retrouver pendant des heures avec des philosophes à se demander qu'est-ce qu'une feuille. Avec tout ça, il y a aussi le côté droit que peut se donner une personne ou une créature, sur quelque chose qu'ils découvrent. Forcément, ils vont trouver des planètes, qu'elles soient vides ou pas, mais parce qu'il vient d'une autre planète et qu'il a un vaisseau spatial, Bob, lui, peut décréter que cette planète s'appelle comme ci ou comme ça, il peut décréter qu'il va donner à telle ou telle société humaine, alors que il y a peut-être déjà des animaux dessus, il y a peut-être déjà d'autres civilisations, et ça, c'est aussi un aspect qui est intéressant dans le livre, c'est de quel droit le Bob ou les Bob peuvent s'approprier les planètes. Donc globalement, je pense que vous l'avez compris, oui, j'ai beaucoup aimé Nous Sommes Bob. Après, bien sûr, il faut aimer la science-fiction et l'espace. Et voilà, ça nous fait un nouveau livre à acheter à la bibliothèque. Donc si vous l'avez déjà lu, comme d'habitude, l'espace commentaire est fait pour ça, donc n'hésitez pas. Je vous prends quand même quelques secondes pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre comme ça aussi régulièrement. Donc, bon, je poste pas autant de vidéos qu'avant, comme j'avais prévenu, mais je suis quand même encore là, j'ai encore des choses à vous raconter, à partager, donc je vous remercie d'être encore là, Et je remercie aussi particulièrement les derniers abonnés. On s'approche de la centaine, donc ça peut peut-être paraître ridicule pour certains, mais bah faut pas, parce que 100 c'est quand même un joli nombre. Donc on continue comme ça, je compte sur vous. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures.